Hey, coucou ma petite chocobo. Coucou Elios, coucou Flo, coucou Kiki, coucou Monsieur Sébillof, coucou Mamie, coucou Némésis. On a perdu carton en route. Hop, petit réglage. Ah, vous avez bien dormi? Pourquoi ce matin j'ai chaud, mais dans la journée je vais avoir froid, vous allez voir. Avec les changements de température, j'ai mis le ventilateur, mais dans une heure je suis sûr que c'est un peu le bordel la température, la météo en ce moment. Pas trop regarder là. Chez vous, si c'est pareil, donc grand soleil, vendredi chaud et puis pluie le week-end. Hop. Ouais, la météo un peu particulière. Du coup, petite journée Coromone Star Wars. Un kilo. Appuyez sur ça. Ah, voilà. C'est que ça s'appuie tout seul. J'espère qu'hier, ça vous a plu aussi, la découverte de Razmoket. Enfin, j'ai oublié de poster sur Discord, mais j'ai mis quelques rediffs ce matin. J'ai oublié de les mettre sur Discord. Ah, c'est plus crasse moquette à mettre. Normalement, on est bon. Le Core Keeper, comme c'est du beaucoup de farm, je mets pas d'autres reliefs. J'ai mis une grosse relief de 6 heures. Pour remontrer un peu tous les aspects du jeu. Il n'y a que la musique qu'on a vue après. Mais... mais c'est cool. Hein. On a encore fait un boss hier, c'était cool. Hein. Razmoket, on continue samedi. Le truc, c'est que pour battre le boss final, faut trouver toutes les pièces. Donc ça va être un peu plus compliqué. Sauf si on a un coup de bol à avoir, quoi. Mais ouais, il est moins long que ce que je pensais à Razmoket, donc à moins de pas réussir, on finira ce samedi, je pense. Ça veut dire qu'on pourra remettre Isaac la semaine prochaine et le multi aussi. Il est sorti le jeu multi que je vous ai mis sur Discord. Je sais qu'il devait sortir là, jeu gratuit. Qui sont encore sortis de demain en quartier. Fast Penguin dans 2 jours. Je me demande c'est quoi leur système économique à change. C'est un peu un mix entre Mario Kart, Sonic Racing, tout ça, enfin les jeux. Hein. Et un petit peu. Quoique, non, c'est plus course quand même, mais il y a un petit côté à la fois Fall Guys et compagnie aussi, quoi. Ça peut être marrant après avoir comment c'est foutu et si on peut bien jouer ensemble. Il y a des fois, il y a des jeux comme ça où on peut pas grouper et aller en multi. Et donc dans ces cas-là c'est mort parce qu'il faut être absolument le nombre max, quoi. C'est-à-dire 40.
qu'à voir. Mais si on peut jouer ensemble et en multi, ça pourrait être cool. Faudra juste voir, hein. Faudra tester quoi. Ça sera la surprise. On pourra peut-être essayer de se faire une partie hors stream pour tester aussi. Ça peut se faire. Attendant, on va se réveiller sur Coromone. Déjà, demain aussi, on va découvrir plein de jeux. Plein de jeux. Ah oui, je vais aller là. Vlama, on devait découvrir Vlama, une nouvelle ville. Oula. Alors direct, on a la quête principale. Coucou Betchy. Pardon, j'ai encore un peu un chat dans la gorge. Oh, ce tremblement de terre vous a fait peur? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Est-ce que... J'arrive pas à retourner sur le jeu. Ah, voilà. J'y arrivais pas. C'est trop bizarre. Ces tremblements de terre sont fréquents ces derniers temps. Donc eux, tu vas devoir les ignorer pour le moment. Mais cela, ce n'était pas un tremblement de terre. Ah. Hé, qu'est-ce que c'était que ça? L'entrée de notre mine, elle s'est tout simplement effondrée. Comment on va gagner notre vie maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Et tantôt, Léo, c'était un de ces tremblements de terre, encore une fois. C'est un sacré gros tremblement, si ça a provoqué une avalanche. J'ai jamais vu une telle chose se produire depuis que nous avons ouvert cette mine il y a une douzaine d'années. Le volcan s'active de plus en plus chaque jour. J'espère que nous ne l'avons pas fâché. Nous n'avons pas la force de déplacer ce rocher à main nue. Bon sang, tout notre équipement minier est coincé à l'intérieur. Mince, je craignais que cela n'arrive tôt ou tard. Nous avons besoin d'un plan d'action. Peut-être que le sensei... Non, cet homme est bien trop têtu. Peut-être que je pourrais pousser le rocher hors du chemin avec mon module poussé. Je vais pas vous mettre des bâtons dans les roues, gentil étranger, mais nos chances d'y parvenir, elles ne sont pas très bonnes. Alors. Oh. C'est. Inutile, ce rocher est solide comme un roc. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur. Par mes aïeux, je vais tailler ce rocher en pièces de mes propres mains, regardez. Merci d'avoir essayé au moins. T'inquiète pas pour Léo, je vais aller calmer ce garçon. Eh bien, ça n'a pas marché. Non, malheureusement, le module poussé n'est pas assez puissant. Ce rocher devrait être complètement réduit en poussière, mais... Je suis encore hésitant. Devrions-nous lui demander? Lui? De qui parlez-vous? Il y a un homme qui vit dans ces régions. Son nom est Light Sensei. Nous collaborions il y a longtemps ensemble. Nous avons creusé toute cette mine. Je sais qu'avec sa célèbre technique de brise-pierre, il pourrait facilement anéantir ce rocher. Oh, ça sent la nouvelle compétence, ça. L'écraser en mille morceaux du style kaboom. Mais Light Sensei nous a quittés en mauvais termes. On devrait quand même essayer de lui demander, non? Demander ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il me laisserait approcher son dojo. Eh bien, je ne parle pas non plus avec cet homme. Il parle par énigme, alors ce sera pas pour ma pomme. Je pourrais essayer de le convaincre. J'ai besoin que cette mine soit ouverte aussi. Vous croyez ça pour nous? Ce serait génial. En attendant, je peux essayer de trouver des solutions alternatives, juste au cas où.
Les deux joueurs se trouvent sur le chemin de montagne à l'ouest de la ville. Prenez la porte ouest, vous ne pouvez pas la manquer. Bonne chance avec ce vieux bonhomme. Je me suis trouvé une vieille pioche. Reculez, je vais casser ce truc en deux. Je me fiche du temps que ça prend à casser. Le mettre en pièce semble être le seul moyen d'entrer. Il est motivé, hein. Il est motivé. Il est très très le motivé. Pas terrible tout ça. Ah, je vais changer de compétence. On avait débloqué ce sort là. Oh, 400 balles. Oh, Satsuki, Kukazegin. La Phoenix, donc c'est un rappel, c'est cool. Alors, on m'a dit à l'ouest, mais on va aller d'abord du coup à l'est pour fouiller un petit peu. Et ça, je peux faire cramer. Bon, bien, on peut tout faire cramer. Comment est mon équipe? Elle est blessée. Ouais, qu'on l'a, il est soigné. Coucou Malicia, coucou les arrivants. Je vais mettre ma décoration d'Halloween. Il y en a qui ont déjà commencé ou pas? Comment ça va, Malicia? Bah, tranquillou, on se réveille. Tranquillou, tranquillou. Mais je suis entre chaud et froid. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Entre les deux températures. Je sais plus trop comment m'habiller, je sais pas. C'est un peu chiant. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y a un truc sympa à l'étage? Est-ce qu'il y a un truc sympa? Oh, il est pas fait comme les autres endroits. Ah, il y a un jeu soumis. Donc Léo est occupé à taper le rocher, je vais en profiter pour exploser son meilleur score. Oh merde. Oh merde. Dans quoi je me suis lancé? Soumirèche. Imagine que t'as pas droit à l'erreur.
Tu vois, flou à force aussi. Ça rend dingue. Y a un chat. Les chats sont durs, ils sont plus hauts. Oh, c'est un chat d'une couleur particulière. Je suis flou d'affelou. C'est horrible ce jeu-là parce que tu vois plus rien. Tu vois que des taches de couleur à force. Que je batte le record de, du fou. Le fou à sa pla... Oh putain! C'est quoi le record? Oh, j'ai ma tête qui tourne. Oh putain! Oh la vache! Je sais pas comment les gens ils faisaient pour jouer à ça pendant des heures. Après, sur un écran 2K, c'est peut-être violent aussi. Pourquoi tu es deux Toruga? C'est plutôt rare, non? J'ai une fille chanceuse. Trouvez non pas un, mais deux de ces adorables Toruga dans la nature. Alors maintenant, j'ai un surplus. Mon objectif est d'obtenir les trois starters. Tu imagines combien de chercheurs de terrain pourraient y dire cela? J'ai commencé mon voyage avec Cube Zero. Donc tout ce qui me manque maintenant, c'est Nibelgar. T'en dis quoi? Tu me donnerais un Nibelgar pour que je les aie au complet? On a une nouvelle quête, mais on n'a pas de Nibelgar, c'est le requin du début. Elle a eu le même starter que moi, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'on a forcément le même starter qu'elle. Vendre des objets. Ok, on sort un peu de sous. Wanda! Je pense que c'est un vulgaire spinner. On va encore les utiliser. Coucou Miracle, coucou Grivelo. Oh, pourquoi on vendrait ces trucs là? C'est pas mal, 5. Oui, Roberto, comment ça va? Ok. Non, faut lui acheter des trucs. On a 53 000 quand même, c'est pas mal, hein. Ils vont pas les platines, ok. Et type feu, ça peut être pas mal.
Oh, c'est pas mal. Au niveau 30 000, hein. Mais bon. Ouais, moins 50%, ouais. Comme ça, je récupère 20 000, c'est pas mal. C'était la pleine nuit cette nuit. La pleine lune. Bah, j'ai pas. J'ai dormi bizarrement, mais ça va encore pour une pleine lune si c'était cette nuit. D'habitude, c'est pire. En même temps, j'ai tellement de sommeil. Ça fait plusieurs jours que j'ai un sommeil très agité, donc je pense que là, j'étais aussi KO, en KO technique. Qu'est-ce qu'on va planter? Chez qui là et là? On en aura plein. C'est quoi? Si d'ailleurs, plein de trucs. Pefari. Là, y a un petit plan. C'est encore la planète ce soir ou pas? Ouais, on a tout pris. Pas mal ce soir, hein. On a deux pots et un coffre ici. Oh, on coupe 25%. C'est pas vrai. Avec la mineur service, Luxolis manquera bientôt de matériaux pour produire les spinners. Une pénurie de spinners, ce serait le chaos. Ah, 300. J'ai envie de te dire, on fera 100. Du coup, donner un objet. Ça peut être pas mal. Voilà. On va faire ça comme ça. On est pas mal. La carte est comment? Ouais, on va pas aller à l'est pour le moment parce que ça va être la suite de l'histoire. Vu comment elle fait la carte. Et là-haut, il y a quoi? Donc là, c'est à gauche, mais en haut, il y a quelque chose. Ah, il y a un parc et une maison. C'est vraiment stylé le truc de pouvoir voir les objets. Hein. Faut l'utiliser tout le temps, mais... Pouvons-nous creuser un tunnel à grande échelle? Non, attendez, le sol ici est trop dur à cause du volcan. Mais les pelles de forage, j'aurais du mal à aller en profondeur. La technique du Bespierre semble être le seul moyen. Quel ennui. Moi, je sais pas, j'aimerais pas habiter à côté d'un volcan. Je sais pas vous, mais... Je dis ça, je dis rien. Nous, on pique de l'argent chez les gens. On va bien, hein.
Tout va bien. Vous aussi, vous allez fouiller chez les gens, vous piquer de l'argent. Un globe flottant, comment ça marche? Ça va être stylé, un globe flottant. En déco, ça va être sympa. Alors là, je sens qu'il y a un truc caché derrière. Voilà. Je vous avais dit. C'était le truc caché. Une compétence. On fiche un peu, mais il y avait bien un truc caché. Alors. Ouais, sur la suite de l'histoire, nos Coromones, ils sont comment? 60. Flowish, il faut qu'il continue Pex. Coucou Carta! Bah alors, tu t'étais rendormi? T'as loupé un petit peu de l'histoire. Mais pas trop, ça va. Ils sont niveau 30, on est niveau 60. Il y a vraiment un décalage. Hein. On s'est tapé un putain de combat super dur la dernière fois. Ça m'a rendormi. En plus, on a. Je crois qu'on. T'as dû t'endormir juste avant, je pense. Pinard ardent. Ah, j'en ai acheté 20 et j'en trouve 2. C'est pas perdu, mais. Les boules. Objet là-bas. Il nous faut ça, un arôme. C'est un peu chiant, hein, le changement de sort. Même. Pas vu la réponse, donc ouais. Et là, j'ai utilisé le truc pour qu'il y ait des plus forts, du coup, ils ont 10 niveaux de plus. Et c'est aussi, ça nous aide à trouver des puissants ou des. Peut-être des parfaits, mais surtout des puissants. Parfait, j'ai encore jamais vu. Gâteau vitesse. Bomba. Ah, elle est trop mignonne. Dans ce monde, il n'y a qu'un seul maître des Purgi, et c'est moi. Libby, frappe-les de toutes tes forces, ne te retiens pas. Libby. Le chat qui a l'air. Il a volé au max. Ah bah pour le moment là on est pas trop emmerdé. Ibi, ne t'inquiète pas mon chou, ce n'est pas de ta faute. Ça va. Ouais, tu m'avais dit. Oh! Oh putain! Putain! Oh bien! C'est où? Regardez! Je suis un chat! Miaou! Attends, c'est quoi ça? Pareil, ta bulle, on a eu ça où? C'était trop bien la barre de ta bulle, moi j'aurais mis ça avant si j'avais vu. Et bon, c'est encore mieux les oreilles de chat. Miaou! Vous un cocaï, comme ça va. T'as tes résultats ou pas encore?
Ah, c'est Chiesa. Ah, on l'a pas, lui. On va d'abord utiliser le spinner rapide. Donc tout va pas bien. Glycémie, cholestérol. Cholestérol, c'est tout ce qui est beurre et compagnie qu'il faut que t'évites, c'est ça? Glycémie, c'est quoi? C'est lié au sucre, non? Je sais plus. Je les confonds tous un peu à force. Et mal, hein? Ouais, mais je sais pas c'est quoi la normalité, moi, tu sais. Oh, ça, c'est pas cool, par contre. Oh, une alimentation très stricte. J'ai un oncle qui a du diabète, ça déconne pas. Hein. Il t'a dit quoi pour ton alimentation? Oh, on t'a peut-être rien dit. Hein. L'enfer, quoi. Non, je comprends pas qu'il fasse aussi mal, il est niveau 36, je suis niveau 60. Oh ma gueule, hein. Bah, essaie de réduire déjà un peu avant. Ah ouais, aussi en plus. C'est pas trop la bonne idée avant la prise de sang. Hein. Thank you.
Comment ça, c'était pas prévu? Kusan Kukai, comment ça va? Le feu intérieur de l'Arbre du Soleil brille à jamais. Ah, bien et bien. Ah! Effectivement. Et t'as eu un rendez-vous direct? Attends, t'as un pétard? Bah, j'avoue que c'est pas moi qui prendrai rendez-vous comme ça juste après avoir fait un gros repas. Je serai en mode PLS. Ah, sur Doctolib. On peut les prises de sang sur Doctolib. Oh, c'est cool ça, je savais pas. Oui, un vieux spinner. Mais tu me donnes un vieux spinner de merde. T'es sérieux ou quoi? On est à la fin du jeu là. Tu me donnes pas un spinner du début? C'est quoi ce jeu? Il y a plein de trucs à voler chez lui, c'est cool. Nous nous entraînons ici, pas pour battre nos ennemis, mais pour l'illumination. Cependant, parfois j'ai juste besoin de me défouler. Alors j'ai envie d'illuminer ces imbéciles avec mes poings. Ah merde. On chope tout. Ah, du coup, t'as quoi? J'allais faire une blague, mais c'est pas drôle. Mais je sais pas, je sais peut-être que ça arriverait à te faire rire un peu. J'hésite à la faire. Et Sensei dit que l'entraînement consiste à trouver un équilibre. Ça signifie donc que si je fais des corvées maintenant, un jour je serai le Sensei et d'autres feront mes corvées. Il est con lui. Mais c'est pas la branlette, ah merde. Il a cassé ma blague. Et du coup, t'es quand même privé. Eh, hey, y'a un fruit qui est planté. Cultiver et styliser des bonsaï nous aide à être plus calme et patient. Sensei dit que notre corps ne peut pas devenir plus fort si l'esprit ne suit pas. Avant de venir dans ce dojo, oh, j'étais un vrai désastre. Mais la TNC a changé toute ma façon de penser, toute ma façon de vivre. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai pas affronté le monde entier. Ah bah, si t'es ambidextre, ouais, ça va. Bonjour la TNC, je suis venu demander votre aide. La TNC? Et Sensei est dans une profonde méditation, ne le dérangez pas. Oh pardon, je savais pas. Il dort, ouais. Papy, il s'est endormi. Oh. Donc un invité s'est arrivé parmi nous. Salutations. Oui, Light Sensei, j'ai besoin de votre aide. Et que peut faire un vieil homme comme moi pour une personne aussi jeune? Un trait du mont Muspel est complètement bloqué par un éboulement. Les habitants de la ville demandent votre aide. Seriez-vous capable de briser le rocher qui bloque la mine? Les forts pardonneront, les intelligents ignoreront. Ainsi, j'ai déjà fait les deux. Et même si mes désirs mondains s'enflamment, j'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. Voyez-vous ce bonsaï? Il a fallu des années pour que ce bonsaï devienne grand et robuste. Pourtant, même après sa longue lutte pour grandir et prospérer, un jour il se fanera. Pour moi, ce jour est déjà arrivé. Je ne peux plus exécuter la technique du brise-pierre, comme c'était ma vocation. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait briser le rocher? Mes étudiants ne sont pas à la hauteur de la tâche. Lors d'une de mes promenades dans la forêt, j'ai trouvé ce jeune arbre. Il avait des branches délicates, mais il semblait avoir une base solide et robuste. Je lui ai donné une chance, et sous son apparence déconcertante est né un magnifique bonsaï. Peut-être que votre écorce est similaire à celle de ce jeune arbre.
je pouvais transmettre la technique du brise-pierre à une personne digne de ce nom avant que je ne sois trop vieux, mon cœur serait en paix. Et ensuite, vous pourrez briser ce rocher vous-même. Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela. Il a quand même dit qu'on avait l'air fragile. Hein. Je sais pas comment on va le prendre. Comme vous ne vous êtes jamais entraîné dans mon dojo, vous devez comprendre que cet entraînement exigera de votre corps et de votre esprit qu'ils soient au maximum de leur capacité. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est difficile, Light Sensei. Oui, c'est très vrai. Et c'est un peu de sagesse à vos aînés. Le voyage de mille lieues commence par un seul pas. Alors nous ferons mieux de commencer à marcher. Jeune homme, vous savez où est entreposé le pôle réflexe? Vous pouvez l'attraper pour moi? J'ai changé de sexe encore. Oui, c'est à moi que vous parliez? Daniel! Ah non, c'est bon, on n'a pas changé de sexe. Faites attention, même lorsque vous pensez que personne ne fait attention à vous. Pardonnez-moi, je vais installer le pôle réflexe tout de suite. La technique du brise-pierre ne doit pas être utilisée n'importe où. Mais lorsque les choses tournent mal, il faut être capable d'en gérer les conséquences. La première discipline que vous devrez maîtriser est donc les réflexes. Daniel, donnez-moi un numéro. 22. 22, c'est un chiffre aussi bon qu'un autre. Alors, techniquement, c'est un nombre. 22, allons-y. 22 quoi? Celui qui pense trop à chaque pas qu'il fait restera toujours sur une jambe. Si vous êtes dans le bon état d'esprit, essayez de me donner un high five. Un quoi? La formation commencera à quand nos mains se toucheront. Bon. Par 22 pas? Je sais pas. Videz votre esprit. Concentrez-vous sur votre esprit. Ressentez. Utilisez vos sens. Abandonnez votre corps au monde qui vous entoure. Et vos réflexes seront multipliés par 1000. Trouvez le bon rythme. Réussissez 22 sauts. L'échec est la mère du succès. Mais je pensais qu'elle allait sauter plus longtemps. Essayez encore. La chance sourit aux audacieux. Vous devez encore sauter 22 fois. Oh, ça va être chiant. Je préférais le jeu d'avant avec le Swampy Swoopy. Le jeu de l'enfer. En plus, ça ralentit, ça accélère. Je peux pas garder un rythme. Maîtrise. Raté. 53. La patience est une plante amère, mais ses fruits sont souvent les plus doux. Vous avez appris à sauter, maintenant nous pouvons apprendre à courir. La prochaine formation améliorera votre dextérité. Retrouvez-moi dans la salle d'arcade, au dernier étage du centre d'entraînement de Vlama. Je ferai la course avec vous là-bas. C'est pas le jeu que je vous ai parlé juste avant. Il m'aurait dit la même chose. Mais... Et ce vieux fou là... Et merci Panda pour les 19 mois de soutien. Comment ça va? Bonjour, bonjour. T'as bien dormi? On est d'accord, je vais retourner parce que... Ah mais je peux sauter par là. Ça ira plus vite. Heureusement qu'il y a un raccourci. Hein. Heureusement. Je crois que je dois le battre à Swampy, Swami, Swami... À tes souhaits. T'as pas encore dormi? Aïe.
Bah ça va, on se réveille doucement, un peu les yeux collés. Hein. On se réveille tranquillou. Petit café. Ouais, j'en étais sûre. On a déjà joué à ça. Vous attendez? Et ainsi, c'est ici que se termine mon voyage. Je disais, je voulais pas vous distraire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Jouer à des jeux n'est pas une question de score élevé, mais du voyage pour atteindre ce point. Je sais que vous pouvez atteindre un score encore plus élevé que le mien si vous persévérez. Cette formation vous apprendra la coordination main-œil et la persévérance. C'est une métaphore des défis à relever lorsqu'on utilise la technique du brise-pierre. Je ne vous décevrai pas, Light-sensei. La déception ne vient qu'en abandonnant. Atteignez un score de 250. Et merci Lady Croco, bienvenue à tous, merci pour le raid. Comment vous allez? Ça a été Stardew. On est sur Coromone, on se réveille tranquillou. Pas trop fatigué, ça va? Bon, ça va, on se réveille. Encore un peu la tête dans les fesses, comme on dit. On se réveille tranquillou sur Coromone. C'est tout doux pour se réveiller. Bon, là, on a des. Là, on va devoir faire un mini-jeu de l'enfer. Ah. Le ventre parle. Ça va toujours sur Stardew. Cette petite ferme tranquillou. Coucou Calathea, coucou Cédric. Ah bah souvent, ouais, ça joue. Après moi, j'ai tendance à me prendre une petite soupe pendant mon stream ou un truc comme ça. Pour tenir un peu plus longtemps. Donnez le meilleur de vous-même encore et encore. On doit faire le mini-jeu là. Ça va être dur. On va récupérer les fonds en attendant. Son azertis, je suis en QWERTY. Hein. Hop, QWERTY. Installez-vous, en tout cas, les arrivants. On est sur la Coromone. On est plus vers la fin du jeu. Hein. Vu de la carte. Mais reste encore tout le haut. Je sais pas s'il nous manque des Coromones ici. Attends, j'arrive à. Ah, y a pas de. Ok, y a pas là. On va cliquer. Y a un Coromone qu'on n'a pas vu. Deux qu'on n'a pas attrapé, mais y en a un, c'est une évolution. Donc, au pire, on a le petit. On a trouvé toutes les plantations. Tous les pots de plantation. Mais. Il manque toujours des. La Pauburi, il me manque la maison de Sabrina qu'on n'a pas trouvée. Je comprends pas. Hein. À la vie, on n'y a pas encore été. Mais vraiment, maison de Sabrina, je sais pas du tout où aller. On a fait toute la ville. C'est incroyable. C'est. Je sais pas du tout où ça peut être. Surtout des fruits verts, mais parce que c'est des baies qui fait monter l'XP. Ah, bon appétit Lady Croco, et merci beaucoup pour Ninja et pour le raid, hein, merci énormément. Repose-toi bien. Vous la fait barbote. Les arrivants, installez-vous. Oh, c'est tout chill, hein. Réveil. Bon, ça va être moins de chill, ça. En plus, le pire, c'est que je l'ai fait tout à l'heure. On a fait un super score. Il faut le refaire pour la quête. Quand même pas de bol. Hein. C'est le genre de jeu qui pique les yeux là. En plus, il a pas dit son score à battre. On bat son score, mais on sait pas c'est combien.
Mon record, c'est en haut à gauche. On l'a fait qu'une fois. Mais je sais pas comment passer le truc où je suis morte. En fait, faut passer entre deux, mais... Peut-être que c'est à la dernière minute qu'il faut sauter. Peut-être que c'est à la dernière minute. Un truc qui m'a tué tout à l'heure. Je vois pas comment... ne passer. Mini-jeux comme ça, c'est l'enfer. D'ailleurs, en Stardew, il y en a aussi des mini-jeux. Jamais réussi. On va faire les succès dessus. On verra. En plus, ils sont en QWERTY, les mini-jeux. Ah ouais, je l'ai vu, c'était celui-là. On a dépassé. Ah non, on n'a pas dépassé. Bah, c'est bizarre parce qu'on n'avait pas eu celui d'avant. Moi, bah, j'ai eu l'autre aussi. Non, j'ai battu mon record. Ah, raté. Je l'ai fait, j'ai battu le meilleur score. La persistance gagne toujours. Vos progrès continuent à m'impressionner. Comme le jeune arbre tendre, vous avez de fortes racines cachées en dessous. Mais votre formation n'est pas encore tout à fait terminée. Nous devons rentrer à la maison pour le grand final. Retrouvez vos noms devant le dojo. Vous voulez refaire la course? Et il est encore téléporté! Willios. C'est vrai que du coup tu t'étais endormi. Coucou les barbous. Coucou Météo. Coucou Lilizalou. Non, pas toi, Carta. Carta, il s'était endormi. Il a fait coucou sur le Discord et après il s'est endormi. Du coup, il t'avait pas vu. Je dois faire quoi, mince? Le journal. Je dois retourner voir Light Sensei. C'est quoi? Un Nibelgar, ouais. C'est une quête secondaire. Mais j'ai pas de Nibelgar. Light Sensei. Carte à puce, quoi. Ouais. Il va dire, mais... Gna gna gna. Oh, en un coup. Mon ours, ça fait mal. Mon ours, ça fait mal. Je rappelle que le jeu, il est 1€ chez mon partenaire instant. Non, je fallait pas retomber. J'ai fait une connerie. Oh, c'est pas grave, c'est reparti. Quand j'ai vu que je descendais, c'était trop tard. Si jamais vous cherchez un jeu qui est plutôt long, surtout si vous voulez le platine, pour le prix, ça vaut largement le coup. Ça y est, le petit vaillant est sorti hier, au fait. J'ai pas de nouvelles des éditeurs, mais voilà, si jamais il vous intéresse, il est sorti. Cherchez des petits jeux indés sympathiques. Enfin, qui ont l'air sympathiques parce que j'ai pas testé du coup. Coucou d'hiver. Coucou Musixly. Le fantomasque.
Bon, on a quand même attrapé un nouveau corps romain, non? Déjà ce matin, c'est déjà pas mal. Après, le 100%, ça va être compliqué, je pense pas l'avoir. Bon, déjà, en plus, il y a le 100% pour les puissants et les parfaits, ça c'est sûr que c'est mort. Mais même les classiques, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et le dojo, il est là. Ah ben le voilà. Enfin, il semble que la victoire soit encore une fois la mienne. Oui, c'est assez rapide pour un vieil homme. Alors quelle est la discipline finale? Ce n'est pas savoir qui est difficile, mais faire. Tenez, prenez ça. Un pot de peinture blanche et un pinceau. La peinture? Pourquoi aurais-je besoin de peinture? C'est dans les poignets. En haut, en bas, en haut, en bas. Non mais sérieusement! À un moment donné, faut qu'ils arrêtent, hein. Ah là là, c'est pas possible. C'est la tendinite de Carta. Tu vois, c'est l'explication de la tendinite de Carta. presque 150, Elios. Presque 50 de Barto. Allez, hein, on y croit, hein. Un niveau, hein. Un niveau. Revenez quand les clôtures autour du dojo seront complètement blanches. J'en peux plus, hein. Mais en plus, je suis vraiment de... Je suis vraiment de corvée de barrière, quoi. C'est vrai que vous avez manqué un endroit. Quand on a accompli de telles tâches, il faut lustrer, frotter, lustrer. Ouais, j'imagine que ça fait mal. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit, mais je comprends, t'inquiète. J'imagine que ça va pas être le feu. On dirait que vous avez manqué un endroit. Mais. Quoi? Mais elles sont où t'es les autres barrières? Ah, punaise, il faut faire celle en bas là. Elle sort d'où celle-là? Mon médecin, il a bonne idée d'appuyer là où j'ai mal. Bah, après, il devait peut-être vérifier, tu vois. Je sais pas, hein. Je dis ça, je sais pas. C'est bon là, il y a assez de blanc. Ah putain, il y a une barrière là-haut aussi. Mais ils sortent d'où toutes ces barrières? Elles étaient pas là avant. Pire en pire ce jeu. Non mais sérieusement. Tu vas avoir là, du lustrage, tu vas voir. C'est moi qui rajoute des barrières. J'en peux plus, hein. Vous avez des compétences impressionnantes en matière de peinture de clôture. Très bien, maintenant nous pouvons aller à l'intérieur pour la dernière discipline. Combien de minutes, ce n'était pas l'entraînement final?
Entraînement? Qui a dit que ça faisait partie de votre entraînement? Pas moi. Clôture avait juste besoin d'un nouveau coup de peinture. Maintenant, donnez-moi la peinture. Je vais le mettre dedans. Rentrons. On s'est fait arnaquer, mais ça c'était obligé. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous y sommes presque. Vous avez montré vos compétences dans presque toutes les disciplines de mon dojo. Et maintenant? Maintenant. Le moment est venu, vous devez affronter votre maître dans un combat de Coromon. Très bien, mais Coromon et moi sommes prêts. Alors, il ne faut pas vous précipiter, ce n'est pas une bataille ordinaire. Les utilisateurs de la technique du brise-pierre doivent prendre de sages décisions en toutes circonstances. Vous ne vous battrez qu'avec les Coromon que vous aurez attrapés avec mes spinners spéciaux. Ne pas se battre avec les spinners vides. En effet, vous devez les remplir vous-même. Utilisez ces spinners pour former une nouvelle équipe de 3. Vous n'aurez pas l'occasion de les entraîner, donc établissez une stratégie judicieuse basée sur les informations que vous obtenez pour mon équipe. Je vais utiliser un type feu, un type glace et un type eau. Tous sont 5 niveaux plus haut que votre équipe. Putain, c'est l'enfer. C'est le genre de truc que j'aime pas, hein, ça vous savez. J'aime pas me battre avec des Coromon que j'aime pas. Il y a quoi qui est bien contre glace? J'ai pu envoyer ça, j'ai un objet pour voir. C'est ça. Glace. Ok, il faut un électrique pour l'eau, ça c'est sûr. Il nous faut un feu. Feu pour glace, électrique pour eau. Et eau pour feu, quoi. Il nous faut un feu, un électrique. Ok, mais c'est un petit. Il nous faut son évolution. Aïe. Il nous faut lui. Donc on va prendre lui. Komitsuko, Komikawa. Pas dormi ou pas encore? Il nous faut un électrique, donc celui qui était le chien à trois têtes là. Par contre un eau, il y a de l'eau dans le coin. Puis Manu de 3 heures, oh purée. Oh, c'est lui qu'il nous faut. Et par contre il est, non mais il est brillant. C'est impuissant. En fait je sais pas si je vais pouvoir les garder. Hein. Je vais quand même le capturer pour moi parce que je sais pas si je vais pouvoir le garder. En fait, je sais pas s'il va me laisser garder les trucs qu'il me donne. Merci le blabla pour Flo, bienvenue. Mais sinon ça va, je me réveille tranquillou. Tranquillou.
Après, on pourrait trouver un 2 comme lui, mais bon. On a trouvé un puissant, c'est cool. Ah, j'ai mon petit poisson qui évolue. Oui. Évolument, coucou les arrivants. Est-ce qu'on va le garder en équipe? Je sais pas trop, hein. Il est stylé, en même temps il est flippant. Darikara. Geyser débloqué. 90-100. On va aller enlever plus tôt en ciel. Hop. Mettre ça. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une autre évolution? Non. Poisson rouge qui se transforme en carpe. Ouais, mais je vais pas le garder, je pense. Faudrait que j'en fasse. Ouais, que je fasse ces évolutions. Mal à voir lesquels il faut que je fasse évoluer. Regardez dans mes données. Cup 0, on a les 3. Il faut les trouver, c'est les autres. Alors lui, je l'ai, mais je l'ai en puissant, ouais. Et je l'ai pas en classique. J'ai pas d'armadon. Il me faut armadine. Armadine pour devenir armadon. Armadine, armadine. J'ai armado, mais il nous faut armadine. Armadine, choisir. Ok. Et faut que je mette un objet pour qui l'XP. J'aime flemme, il me faut une j'aime flemme. Voilà, j'aime flemme. Il va gagner 20% de l'XP des autres. Parfait. Ils sont quoi, type quoi? Normal. Il me faudrait le chien qu'on vient de voir pour le choper avec les spinners de CNC. Le problème, c'est qu'il y a un type O. Où est-ce que je vais aller pour le type O? Je crois pas que je puisse aller dans l'eau à côté. Je crois pas. On l'a déjà chopé. Ça va être chiant le combat. Contre CNC, ça va être chiant. Avec mon équipe, ça aurait été trop bien.
Waouh. Un Makinja. On l'a pas lui. On l'a pas. Une heure rapide. Et magique. Ok. Mais c'est pas cette attaque. On va envoyer un spinner de d'or. Ouais, mon ours est mort, mais ça, mon ours ici il est pas très. Pas très très fort contre ces Corovana. Je crois qu'il est type normal, hein. A failli coup critique. Aïe 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 aïe. Après j'ai les spinners platine mais pour le moment je peux pas encore en acheter, alors ça m'embête de les utiliser. Ah voilà. Un nouveau. Ça c'est cool, hein. Ça c'est cool cool. Nouveau 63. Un ours. Ça marche pas mon sort. Ah parfait. Il nous en faut un. Il n'y aura plus qu'à trouver un type eau. On a un feu. On a un électrique. Il nous manque un eau. Lacération. Ouh. Type tranchant. On va le remplacer par violence des plumes. Donc c'est tranchant aussi. Moi j'ai appris toutes les attaques de Goldbrick. C'est la dernière. Bon par contre je suis emmerdée comme je disais. Je sais pas. Je peux pas aller dans l'eau. On peut pas utiliser la compétence surf. De l'eau. Et il faut trouver de l'eau. Ils sont mignons, mais. Où est-ce qu'on va trouver de l'eau? Carte. Là, il y a une petite étendue d'eau là. Je sais pas si on peut y aller. Ah, dans la grotte. Eh oui. Dans la grotte, il y avait de l'eau. On va repasser par là. Eh mais lui, il est type eau. Ah parfait hein. Ben voilà. Ça va être toi. Et voilà. Comme ça j'aurai eau, feu, électrique. Au combat contre Sensei. Puis c'est la dernière évolution. Oui dans cette histoire on a quand même trouvé un puissant en passant. Pas mal. Bah voilà, on n'a plus qu'à retourner voir Sensei. Et elle est quand même soigner mes coromones, tant qu'à faire. J'ai quand même un mort. Hein. Café les capuchés, les froids. Le chez froid.
Donc elle avait un coromon que j'ai pas. J'ai mis combien de fois au planning cette semaine, coromon? Deux fois, non? Double toutou. Double en taille pour le toutou. Il n'aura jamais en plus. C'est nul, il n'y a pas de dégâts. Ouais, ça, voilà. Eh ben, on se fait agresser là. Ils veulent pas qu'on aille faire le combat contre Sensei. Pas très très sympathique. Blasitor a disjoncté. Ah. Je sais pas si le serveur il a continué le jeu. Ok, on va y jouer. Et on va s'en sortir contre Sensei. J'ai peur que ça... comme ça va être à peu près comme... Non, quoique non, c'est 5 niveaux dessus. Ils vont tous avoir 5 niveaux dessus d'une autre. Je sais pas, je pense pas qu'on pourra utiliser d'objets. J'ai peur que ce soit comme le cube et que le combat soit horrible. C'est quand même d'avoir des puissants au passage, hein. Tant qu'à faire de temps en temps. Ils sont menaçants. Oh, aïe, aïe. Rendez-moi ma mana. Ok, un mort, l'autre presque. Ah, une chouille électrique. Aïe, aïe, aïe. Elle fait dire coucou Benoît. Pourquoi tu m'as dit ça en MP Puissant. Je l'ai pas, hein. Oh ouais. Ça marche vraiment bien pour choper les puissants. Je vais quand même utiliser encore mon rapide. En cas où, on sait jamais. Je sais pas trop les rapides à partir d'un certain niveau si ça fonctionne toujours. J'ai vraiment jamais vraiment marché. J'ai l'impression. Électrique, j'en ai 7. Ah. Fais gaffe. Après, une fois que t'es dedans, c'est compliqué d'en sortir.
défi accompli là. Waouh. Défi accompli encore. 3 défis du coup. Voilà un peu nos défis. Un quotidien. On a monté de 2 niveaux, réclamer. Nervito. Enfin, le niveau 100 est quand même chaud à faire. Je pense qu'à la fin du jeu, honnêtement, déjà niveau 50, j'ai eu succès. Il y a très peu de gens qui l'ont. Alors niveau 100, ça me paraît encore plus compliqué. Hein. Vous êtes de retour, comment s'est passée votre recherche? J'ai choisi 3 couronnes et je suis prête à vous affronter avec cette équipe. Alors je suppose qu'il est temps de commencer la bataille. Prenez votre position. Pas d'astuce, c'est le véritable test final, le point culminant de tout votre entraînement. Si vous gagnez, vous aurez ce qu'il vous faut pour maîtriser la technique du brise-pierre. Ah, bon vélo, Alios. Attention sur la route. Bien évidemment, il ne me met pas les bons dans l'ordre. Ouais, en plus, on ne peut pas utiliser d'objets, c'est génial. Ça va que j'ai changé rapidement. Un Ruptus, il est rigolo lui. J'ai qu'une fois en plus. Il est feu. Il faudrait que je mette le Coromon haut. Le crabe. Éclaboussure. Non, ça a l'air plus facile que le cube en vrai. Le cube il copiait notre équipe donc c'était compliqué. Tu pouvais pas faire avoir l'inverse. Mais j'ai quand même voulu utiliser mon équipe. Je connais pas non plus. J'ai eu un succès parce qu'elle a fait de la neige dans le combat. J'ai encore jamais eu. Bon, ça c'est fait. J'espère qu'on va gagner, mais est-ce que s'il rate ses attaques, on est dans la merde? J'ai des fois, putain, s'il avait touché 3 fois, on gagnait. Mais comme elle attaque en premier. En vrai, on peut perdre, hein, parce que. Voilà. S'il rate, mais bon, on a de la chance. Oh, le cube, c'est un enfer. L'élève deviendra le maître. Impressionnant. Extrêmement impressionnant. J'étais battu à la loyale. Vous êtes le premier à maîtriser toutes les disciplines de la technique du brise-pierre. Et si vite, c'est un exemple pour mes étudiants. Avec le bon état d'esprit, tout est possible. Bienvenue à tous à la cérémonie du brise-pierre. Veuillez vous avancer.
Vous êtes arrivé dans ce dojo comme un jeune arbre vert et tendre avec des fondations solides. Et vous partez d'ici comme un arbre solide avec des branches robustes. Vous avez maîtrisé toutes les disciplines et vous êtes montré digne de me succéder. En tant que nouveau détenteur de la technique du brise-pierre. Ils sont là depuis 40 ans. Moi, je suis là depuis 10 minutes. Voilà. Je suis honoré, Light Sensei. Génial, bien joué. Vous le méritez. Mon cher Daniel, peux-tu prendre la technique du brise-pierre dans le coffre? Quoi? La technique du brise-pierre est dans un coffre-fort? Oui, à partir d'un certain âge, on ne peut plus compter sur son corps, mais on peut trouver de l'aide dans la technologie. Si je l'avais réalisé plus tôt, j'aurais peut-être gardé le contact avec Pelé. Ok, en soit, qu'attendez-vous? Installez le module. Tout ça pour ça, hein. Ils auraient pu juste nous le donner depuis le début, hein. Le module tremblement est puissant. Il nécessite un manieur capable de canaliser sa force vers certains objets. C'est ce que vous avez maîtrisé, peut-être même à votre insu. Et sans danger si c'est vous qui le faites. Pourquoi n'essayez-vous pas de donner aux élèves un petit spectacle? Regardez, chers élèves. Taki a maîtrisé les disciplines de dojo de lumière et peut maintenant manier la technique brise-pierre avec facilité. Cela rallume-t-il un feu en vous, mes élèves? Peut-être que cela vous donne envie d'être plus fort. Enfin, il est mieux de retourner vous entraîner. Ah non, il ferait mieux d'y aller, mon bonsaï adulte. Le rocher ne va pas se détruire tout seul. Ok. Mais je peux faire quoi avec tremblement? Mais c'est n'importe quoi. Je te jure. Je vais tout casser! Je vais tout casser! Téléportation? Non, non. Pas la téléportation. Bah là, je les ai tous les sorts, donc il n'y en a plus d'autres. Et j'ai rempli tous les emplacements. Donc, il n'y a pas de téléportation. Après, on a les pierres qui sont un peu comme les cordes sorties, mais... Ça va, en une heure et demie, on a réussi à choper une nouvelle. Parce que regarde, j'ai... en sort, tu vois, j'ai tous les emplacements. Ils sont tous pris. Allez, on va casser le rocher. Léo, il est temps de faire une pause. Le chat de taper. Cette mine a besoin d'être ouverte dès que possible. Fais-moi confiance, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je fais le vide dans mon esprit, je centre mon attention. Et puis... C'est n'importe quoi. C'était la technique du brise-pierre. Comment? Pourquoi? Le rocher, c'est comme s'il n'avait jamais été là. C'était le son inimitable de la technique du brise-pierre, je le savais. Mais où s'est caché Light Sensei? Il est dans la mine? C'était Shakya, incroyable, ce rocher a été détruit en un clin d'œil. On se la pète. Venez tout le monde, rentrons, nous avons beaucoup de travail à rattraper. Je pourrais te dire merci, mais ce ne serait certainement pas suffisant. Donc Light Sensei, il a vraiment décidé d'enseigner la technique du brise-pierre. Même si tout n'a pas toujours été rose entre lui et moi, je suis heureux qu'il ait trouvé la paix avec un digne successeur. Avec toutes les grandes choses que Lux Solis fait, il doit aussi voir que nous devons suivre la technologie. DNCC embrasse cette technologie, il devrait être d'accord pour que je mette à jour les appareils ici, avec les derniers modèles. Enfin, plus de plaintes pour le bruit. J'ai pas tout compris, mais ok. Du coup, on a débloqué la mine. Une mine! Est-ce qu'on se ferait pas une pause avant d'aller à la mine? Ah, ce serait peut-être pas mal une petite pause avant de faire la mine. J'ai pas regardé, ouais, du coup. J'en ai mis quand
vendredi aussi. Pas mal. Petite pause de café, boisson, ce que vous voulez, petit déj, tout ça, un petit chocobo. Ça me paraît pas mal. Regardez s'il y a des. C'est quoi le prochain anniversaire chocobo? Ça va. C'est pas encore tout de suite. Faut y penser samedi à l'anniversaire d'Apple. Pas qu'on oublie. Du coup, petite pause boisson. Je vous mets une petite bataille royale pendant la pause. Et j'arrive tout de suite pour se faire la grotte. On va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Peut-être des nouveaux coromones, j'espère. J'arrive de suite.